Bonjour, Pascal, c'est ça ? C'est ça, voilà. Comme mon père, tu vois. Voilà, tu vois, comme deux générations qui se rencontrent. Deux générations qui se rencontrent, c'est ça. Donc alors, écoute, je t'ai découvert lors de ta collaboration avec notre ami Jonathan. Ouais. Jonathan Dassin. Exactement, en collaboration où j'ai écrit des textes avec lui. Je pense qu'il a dû te raconter, on est parti au Maroc. Oui, bah oui. Et puis, c'était vraiment à moi un moment très, 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 très intense et très agréable, voilà, riche en intensité ou en écriture, en réflexion, on se pose dans la vie et d'un seul coup on explore l'univers de l'écriture et de ce qu'il avait envie de dire aussi, et franchement c'était une très belle collaboration. Et... Donc tu l'as un peu aidé à sortir ses idées, c'est ça? C'est ça, il a des émotions, des sentiments, et parfois on ne sait pas les expliquer, on ne sait pas leur donner sens, et on a réussi à gravir la montagne du sens pour arriver au sommet, je pense, qui permet d'avoir un texte cool. Des textes. Les musiques, c'est toi, c'est lui. Les musiques, c'est une composition commune un peu. Puis après, tout ce qui va être arrangement, là, il travaillera avec d'autres personnes. Quoi. Parce que moi, j'ai mon projet également. Oui, bah, c'est de ça qu'on va parler. Parce exactement. Que, ouais. Jonathan l'a déjà vu, vous avez déjà discuté ensemble. Donc ton projet, c'est quoi donc? Alors moi, c'est Thomas Jagas. Voilà, c'est la continuité d'un groupe qui s'appelait Jagas. D'accord. On a plus personnalisé au sens où on a fait plus de 350 dates et aujourd'hui, on sort un nouvel EP pour le mois d'octobre, et en préparation de ça, on crée un nouveau spectacle qu'on va faire en tournée cet été sur 25-26 dates à peu près dans toute la France. On dit toujours toute la France, mais c'est souvent centre, sud-ouest, quoi. Voilà. D'accord. Voilà, on aime le canard. Et... Voilà. Donc là, tu as un groupe, vous êtes combien dans votre groupe? On est 5, c'est une formation de 5, avec un batteur, un bon énergumène de la batterie, vraiment très très bien, un bassiste, surtout très très bon musicien, bassiste, clavier, violoncelle et guitare. Et chacun des musiciens joue plusieurs instruments en fait, ça fait une polyvalence musicale qui est très plutôt sympa. Riche et originale, ouais, qui est plutôt sympa. Et là donc c'est ton deuxième album, c'est ça? Alors nous on a plus fait des EP, d'accord. C'est-à-dire des petits formats d'albums, 6 morceaux, voilà, dans l'intention de aussi démarcher des labels, des maisons de disques. Et là, peut-être que ça engendrera la naissance du premier bébé album par la suite. Et au niveau des tonalités, c'est quoi? C'est plutôt rock? C'est plutôt... Si, on retrouve quelque chose d'un peu... Nous, on essaye de faire de l'alterno-moderne, comme on dirait. Donc, effectivement, ça emprunte, c'est du rock humaniste. Voilà, on va dire ça comme ça. Mais actuel. Voilà, donc c'est... Il y a souvent l'univers dans l'écriture de Ferré, j'aime beaucoup cette poésie-là. Renaud aussi, plus actuel, voilà. Ah bah là, voilà. On est point dedans. Hein. On est exactement. Là on baigne. Là. Ah bah là, d'ailleurs, si le label nous entend. Pourquoi pas, c'est clair, je suis ouvert, il n'y a pas de souci. Et le voilà, ça c'est des influences. Hein. Après, j'espère avoir ma patte. Et musicalement, bah, c'est quelque chose qui se construit aussi. On essaye de toucher un public assez large. Donc voilà, sur une tonalité plus rock. Ce qui est intéressant, c'est quand même que tu es relativement jeune et tu t'inspires de gens qui sont quand même un peu plus anciens, quoi. Oui, ben, effectivement, c'est intéressant. Non, mais bon, je viens pas de nulle part. Mon papa, il a aimé chanter, chanter les grands chanteurs français. Voilà, il s'est peut-être arrêté à une époque, et moi après j'ai dû la continuer. Effectivement, j'ai d'autres influences qui sont plus modernes et plus actuelles, mais en l'occurrence, moi j'ai pas de complexe en fait à aimer ce qui s'est passé, ce qui va devenir aussi, parce que c'est ce qui compte aujourd'hui. Oui, j'espère que c'est toi qui... Ah bah, mais j'espère pas, j'en suis certain. Bien, formidable. Voilà, exactement. Donc, on peut te retrouver où là? Parce que si alors, on a besoin d'informations... Exactement, bah, il y a le Facebook, vous tapez Jagas, J-A-G-A-S. On le mettra là. Voilà, Facebook Jagas. Notre site, www.jagas.fr. Et puis, et après, vous allez voir, il y a toutes les dates de concerts. Si vous êtes en vacances dans le sud-ouest, dans le sud, voilà, on ne fera pas de discrimination entre l'est et l'ouest, et ben, vous aurez l'occasion de pouvoir venir nous voir quoi, sans problème. Vous accueillera, surtout si vous dites que vous êtes passé au coin de la rue. Ah ouais. Alors là, non, bah écoute, Thomas, à bientôt. Au plaisir, c'était vraiment agréable. Ouais, c'était agréable. Et puis, on se reverra. Eh ben, j'espère bien. Au concert. Yes. Au revoir. Ciao. Ciao.